Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui avez encore eu ce privilège de pouvoir nous suivre à présent, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonsoir par rapport à l'heure à laquelle vous nous suivez. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Nous vous saluons depuis où vous êtes. C'est un réel plaisir pour nous d'être à côté de l'un des anciens de la Côte d'Ivoire. Celui-là a marqué l'histoire dans le monde du message de Frère Branham. Alors que nous sommes chez lui à la maison, il est ici à côté de nous. Nous allons simplement essayer de le faire parler. Je suis arrivé ici juste pour le provoquer, afin que de lui sorte quelque chose qui va aider les enfants de Dieu qui nous suivent de par le monde. Je crois que vous êtes là, soyez toujours branchés et ça vous fera du bien. Mon pasteur, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Qu'il vous bénisse également. Amen, amen, amen. Révérend pasteur athée Dieudonné. Ah, je crois que les enfants de Dieu sont déjà très heureux de voir votre visage apparaître sur leurs écrans. Comment vous allez, comment la santé est. Surtout l'Église, le ministère. Bien, merci beaucoup. Je voudrais saluer les téléspectateurs, ceux qui Voilà. nous suivent Oui. par ce direct-là, et Oui. leur dire vraiment que la paix du Seigneur soit avec chacun d'eux. Et vous saluer à vous aussi, Oui. Pasteur Bill. Merci, mon Nous sommes pasteur. heureux de vous recevoir à Abidjan ici. Ah, La santé merci. chez moi, par la grâce de Dieu, Oui. nous avons la santé. Il Gloire au a renouvelé Seigneur. son contrat de vie en nous. Amen. Et nous en sommes heureux, ma famille, l'Église, tout le monde va bien Amen. pour l'instant. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Gloire au Seigneur, Amen. cher ancien athée Dieudonné, merci. Je crois que ça vous fait du bien d'écouter les paroles du pasteur qui déjà est une bénédiction pour nous. J'ai écouté les échos du pasteur depuis mon pays et partout où je suis passé dans d'autres pays aussi. J'ai vu comment est-ce que les gens sont toutes fort en alerte et en train de parler de lui et tout par rapport au travail qu'il essaie de faire. Voilà pourquoi je suis arrivé ici là afin que nous puissions essayer un peu de voir avec lui sur d'abord lui-même, sa personne, qu'on puisse mieux le découvrir. Je crois que ça nous fera du bien. Mon pasteur athée Dieudonné, que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Amen. Bien, donc, pasteur athée, les enfants de Dieu voulaient d'abord connaître un peu sur vous-même. Vous avez fait un grand travail, on vous suit sur Internet, par prédication sur YouTube et tout, et sur votre chaîne YouTube et tout, tout ça. Même dans des ordinateurs, j'ai eu à suivre déjà vos prédications dans les ordinateurs des serviteurs de Dieu qui vraiment vous suivent avec attention pour essayer de voir ce que vous êtes en train de dire. Et moi, je pense que le fait que ces gens vous prêtent leur attention, ça veut dire qu'ils voient quelque chose en vous qui les attire pour pouvoir soutirer de vous quelque chose de bien, pour saisir votre pensée. Nous sommes arrivés ici là pour essayer un peu de pouvoir voir un peu sur vous-même d'abord, votre personne. Qui est réellement le pasteur athée Dieudonné? Merci, cher pasteur Bill. Qui est le pasteur athée Dieudonné? Le pasteur athée Dieudonné, Oui. c'est un simple frère dans la Alors, foi. Mais avant d'être un simple frère dans la foi, je suis né un certain 4 août 1969. J'avais ma propre philosophie. J'étais un peu, un défenseur de l'Afrique Je depuis mon vois. jeune âge. Je vois, ok. Et donc, j'ai choisi de faire la musique Voilà. sur le format reggae. Ah, Et ok. je suis venu, et effectivement, j'ai pu enregistrer un album. Et j'étais à la recherche d'un producteur. Et c'est alors que j'ai rencontré l'Évangile. Ah Et bon? ça a tout bouleversé. Ah bon? Autrefois, c'était les cassettes. Hein, les maquettes, c'était en En cassette. cassette, oui. Et donc, quand je croise l'Évangile, ça a bouleversé ma vie complètement. Et je me suis dit, ben, écoutez, l'œuvre artistique ne me sert plus à rien. Ah J'ai bon? fini par casser cette cassette et la Oh, brûler. Seigneur. Et celui même qui avait aidé au montage à l'arrangement de cette musique, c'est aussi un Congolais, mais de Kinshasa, qu'on appelle un certain Vata Mombasa.
Vata Mombasa, c'est l'un des anciens chanteurs des années 70, 74, qui avait fait beaucoup d'œuvres, qui est bien connu ici. Alors donc, lui-même, quand il a vu que j'étais devenu chrétien, il m'a dit, mais dans ce cas, si tu ne veux plus chanter, donne-moi cette œuvre, je vais donner à quelqu'un qui va le... J'ai dit non. J'ai dit non. Chaque fois que j'entendrai, même si vous changez de voix, je saurai que ça, c'est mon travail. Et puisque ça ne glorifie pas trop à 100% le nom de Dieu, alors je ne voudrais pas que ça sorte. Et j'ai détruit cet album. Gloire Donc, soit rendue à en Dieu. quelque sorte, voilà un peu qui suis-je. Merci beaucoup, ancien. Je crois que c'était déjà le mouvement du Saint-Esprit, sachant déjà ce que vous serez dans votre futur. Alors, merci beaucoup, cher ancien. Bon, mais il y a quelque chose qui nous vient à l'esprit. Le pasteur à qui Dieu donné est pasteur du message. Comment il va embrasser le message? Comment est-ce que... Merci. Je pense Ça, que... c'est une belle question. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Comment j'embrasse le message, c'est que en 1993, en 1993, alors que je suis à Abidjan ici, je faisais mes activités personnelles, que je partais souvent acheter mes articles à Trècheville et je revenais les conditionner pour aller dans les villes de Côte d'Ivoire et je vendais mes articles comme ça. Et c'est comme ça qu'un jour, dans le plateau, hein, pour ceux qui connaissent le plateau d'Abidjan, c'est le cœur d'Abidjan, Très bien. c'est ce que représente Gombe en RDC. Exactement. Voilà, Très donc bien. c'est le plateau, c'est le cœur Voilà. même du pays ici. Et donc je devais marcher à pied, traverser le pont au Foué-Boigny pour aller à Trècheville dans le but d'acheter mes articles que je devais conditionner en semaine pour aller encore. Et de passage, il y a le terminus des bus qui est juste au bas du pont Félix Houphouët-Boigny. Et là, je vois un attroupement d'hommes. Alors, avec des réactions, et alors donc je m'approche pour tirer l'oreille pour savoir que c'est peut-être c'est une bagarre, je ne sais pas. Et je vois, c'était pas une bagarre, c'était un prédicateur au centre de cette foule-là, Voilà. en train de vraiment bousiller toutes les religions. Il disait que les catholiques ne sont pas dans la vérité, les assemblées de Dieu n'étaient pas dans la vérité, les protestants ne sont pas dans la vérité, la Ah Bible n'a bon. pas dit ce qu'ils disent. Voilà. Alors, j'ai dit pour la première fois. Parce que moi, en même étant païen, beaucoup d'évangélistes sont venus vers moi pour m'évangéliser et je les ai ridiculisés. Je prenais le Dans le sens plaisir que, de voilà. ridiculiser les prédicateurs parce que je trouvais que ce Ce qu'ils qu'il disaient n'était pas disait cohérent. exactement. C'était pas cohérent. Et pour la première fois, je trouve quelqu'un qui se dit prédicateur et qui est en train de bousiller ses propres frères chrétiens Voilà. et des églises, Voilà. et qui rentre dans le cadre de ce que je pensais déjà. Je dis, mais Ah cet homme-là, il m'intéresse. Il m'intéresse. Et bon. Voilà. pour les Ivoiriens, je crois que beaucoup ont connu le grand évangéliste anégré Serge Pacôme, qui est, paix à son âme, il est décédé l'année passée. Alors donc, c'est lui qui faisait ce travail, et je m'arrête là, et ça me capte. Je suis resté, et au moment où je vais me rendre compte, l'heure de la fermeture des magasins était arrivée, donc je n'ai pas pu aller me procurer mes marchandises. Et Ah bon. donc, le lendemain, je reviens là. Voilà. Et je vais l'écouter encore. Je vais essayer de poser quelques questions. Les réponses sont Direct. automatiques et directes. Et ça vient de la Bible. Alors, je comprends depuis ce jour-là que ce n'était pas la Bible qui était mauvaise, mais ce sont les hommes qui véhiculaient la Bible qui la prêchait mal. Ah. Alors je vais embrasser la Bible depuis OK. ce jour. OK. Et je vais. Mais il y a quelque chose qui va arriver. Ce n'est pas en ce moment même que je me suis fait baptiser. Nous sommes en 93, 93, 1993. voilà. Très bien. Et alors, je vivais avec un autre frère, un ami qui faisait le business avec moi. Et je vais causer avec enthousiasme que non, on l'appelait Guillaume. Frère Guy, vraiment, aujourd'hui, j'ai trouvé quelqu'un qui prêche la parole comme je l'entends dans ma parole, dans mon Dans mon esprit. esprit. Ah, il est comme ça, il est comme ça. Il me dit, oh, toi, tu es arrivé à Abidjan il n'y a pas longtemps. Oh, il faut te calmer.
Que Abidjan ici, il y a trop de vendeurs d'illusions. Que Salah, ils ont la bouche mielleuse, mais que c'est n'importe quoi. Que faut pas t'engager facilement. J'ai dit non, 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 que cet homme-là, j'ai posé même des questions, il a répondu. Il dit non, tout ça là, bon, on sait, toi. En fait, lui, il était à Abidjan avant moi. Et donc, finalement, il me décourage, mais c'est resté logé dans mon cœur. Et le, ce qui est bizarre, je vais attendre encore pendant 2 ans. 93, nous sommes en 95 maintenant. Et en 95, ce même Guillaume sort et il revient le soir, il me dit que lui, il s'est fait baptiser. Oh, lui aussi, il était païen comme moi. Bon, d'abord, lui, il était catholique, au fait. Okay. Alors donc, il dit qu'il s'est fait baptiser. Par qui? Il me dit, par un monsieur qu'il a découvert à 30. Je dis, mais toi, tu n'es pas sérieux? Mais c'est le même monsieur que moi, j'ai découvert il y a 2 ans. Et je t'ai parlé et tu m'as découragé. Et aujourd'hui, toi, tu l'as écouté combien de fois? Il dit, la première. Il dit, mais toi, tu n'es pas bien. Ah bon? Moi, j'ai pris mon temps de l'écouter, j'ai posé des questions, j'étais convaincu. Et tu m'as découragé. Et aujourd'hui, toi, tu vas le découvrir le premier jour et tu te fais baptiser. Vraiment, j'étais un peu meurtri au-dedans de moi-même. Voilà. Alors maintenant, lui, il veut m'inviter à l'église là-bas. J'ai dit non, moi aussi, je ne te suis pas. Voilà. En fait, c'était une manière de le punir aussi pour m'avoir retardé tout ce temps-là. Et j'ai dit, je ne te suis pas. Donc, il va commencer à aller. Chaque fois, il vient, il bavarde, il me dit non, ils ont enseigné tant, ils ont enseigné tant. Vraiment, c'est la vérité. Telle église n'est pas dans la vérité. J'ai dit, c'est moi qui l'ai découvert et tu m'as dit que ce n'était pas bon. Moi aussi, je ne te crois pas. Et ce n'est qu'en 96, un an après la conversion de Guillaume, que moi-même, je vais retourner encore là-bas parce que le monsieur prêchait publiquement presque tous les jours. Et je reviens, je l'écoute pendant une semaine, je pose des questions et puis quand je suis satisfait, je vais me faire baptiser un certain 17 septembre 1996. C'est là, réellement, que je vais entrer dans, je vais embrasser le christianisme. Et ce monsieur, il prêchait la parole avec le message de William Branham, mais sans dire le nom de ouvertement le nom de William Branham. Donc, nous qui avons cru, qui sommes venus dans son église, nous le prenions comme le messager. Nous, on croyait que tout venait de lui. Et il savait jouer bien son jeu. Il avait les brochures qu'il cachait. Et il les lisait et il se l'appropriait. Et nous, on était contents. Mais il avait. Là, nous sommes toujours en 95. 96. 16 maintenant. Ok. Et donc, c'est comme ça que ça a continué jusqu'à ce que je vais percevoir un des anciens qui était très proche de lui, qui avait une brochure de Krefeld. Krefeld, c'est Ewald Frank. Ok. Hein? Et je vois un titre. J'ai dit, mais. Je prends ça. Je dis non, donne-moi. Je dis non. J'ai présenté, j'ai couru un peu, j'ai commencé à lire. Je vois que c'est bon. Je dis mais donne-moi, je vais aller lire un peu. Il dit non, non. Que le pasteur ne veut pas qu'on donne ça aux gens. Il dit pardon. Il dit non, non, non. Il dit pardon. Il dit non, non. Bon, moi, je prends l'adresse dans la brochure. Ah, et puis, je lui remets la brochure. C'est comme ça que je vais écrire également à Lausanne. Et on va m'envoyer, autrefois c'était des petits paquets de brochures, une quinzaine de brochures sont arrivées, j'ai commencé aussi à les lire. Bref, je vais dire la suite dans vos questions. Merci, merci. Ah, ça nous fait du bien déjà. Alors, ancien Aké, nous avons déjà cette grâce-là de pouvoir connaître comment est-ce que vous avez embrassé le message. Mais il y a quelque chose qui va encore sortir de là. C'est que vous avez pu rencontrer le message. Mais comment est-ce que vous allez prendre la décision de pouvoir commencer maintenant à appliquer le message, c'est-à-dire se proclamer croyant du message? Vous allez commencer avec quel pasteur qui va vous baptiser? Parce que je pense que l'histoire continue. Jusqu'à là, nous avons déjà un aperçu sur comment est-ce que vous avez reçu Christ dans votre vie, comment est-ce que vous avez été éclairé par la parole. Maintenant, la continuité là, avec qui vous avez continué, comment est-ce que ça s'est passé? Merci.
Bien, comme je venais de le dire, avec le même pasteur qui cachait le message pour se l'approprier à lui-même, nous l'avons. J'ai été avec lui dans son église de 96, OK. 96 là, OK. jusqu'en fin 97. OK. Fin 97, il va se passer quelque chose parce que lui prêchait beaucoup de choses qui n'étaient pas aussi dans du votre message. message. OK. Un exemple, les femmes devaient s'attacher les foulards et d'autres choses. Il disait par exemple qu'il faut que si quelqu'un n'est pas baptisé, il ne rentre pas dans l'église. Ah bon? Ah oui, je vois, ça c'était ça, c'est doctrine. Et il prêchait qu'on ne devait pas payer, le chrétien ne devait pas payer la dîme et tout ça. Bon, beaucoup de choses que lui-même il a ajoutées à sa guise, quoi. OK. Et il le faisait avec plaisir. Donc, en 97, 1997, il va s'opérer un éclatement dans cette église-là. Des gens vont découvrir aussi tout les brochures et ils vont commencer à le contester et ça va produire une déchirure, voilà, une fracture et un groupe va sortir de cette église-là. Et le jour où le groupe sortait, c'était un dimanche, il y a eu la bagarre. Oh. Il y a eu de la bagarre, les gens ont soulevé les chaises contre les autres. Ici à Abidjan. Oui. Nous étions à la rue Princesse, là, juste l'endroit où on fait la vérification des automobiles, là. Okay. Voilà, donc là, cette bagarre-là m'a choqué. Pour moi, je croyais être arrivé dans un terminus de la vérité. Vraiment. Et je me rends compte que les gens étaient encore plus animaux que... Excusez-moi du terme. Oui, c'est ce que le français appelle ça de l'animosité. Voilà. Une telle agressivité que j'ai jamais vu ça, même parmi les païens. Alors ce jour-là, il y a eu ce groupe-là qui n'était pas d'accord, qui sort, qui quitte l'église, qui s'en vont créer leur groupe. Et l'autre groupe qui soutenait l'ancienne conception reste. Moi, ce jour-là, je rentre à la maison tout brisé. Et je me dis non, je ne mets plus pied là-bas. Non plus, je ne suis pas les autres. Parce que il faut que le Seigneur me dise quelque chose. Moi, j'ai aimé Dieu, c'est pourquoi je suis venu. C'est pas à cause des autres. Maintenant, je croyais que c'était le terminus de la vérité et je me rends compte encore qu'il y a encore des choses qui ne vont pas là. Je fais quoi? Je vais où? Alors, j'arrive à la maison, j'étais tout défait. Entre-temps, ma femme ne croyait pas encore le message. Et moi, je me suis mis, j'ai dit, bon, je ne vais ni à gauche ni à droite. J'ai pris un jeûne pour la première fois de ma vie, j'ai pris un jeûne de 30 jours. 30 jours. Un mois. Et je priais Dieu pour dire, Seigneur, oriente-moi. Montre-moi vers qui je vais partir. Dans ta parole, tu as dit qu'on doit trouver les gens, hein, le groupe de personnes qui invoquent ton nom avec un cœur pur pour se joindre à eux. Quel est ce groupe? Montre-moi, en dehors de ce groupe que moi je connaissais. Et ce monsieur a fait tout son effort pour ne pas nous montrer qu'il y avait des gens qui croyaient le message dans ce pays. Ah bon? Puisqu'il se l'appropriait lui-même. Ok. Donc nous, on ne savait pas qu'il y avait d'autres personnes qui croyaient déjà le message depuis et qui avaient de bonnes églises. Wow, et je vais prier pendant un mois, ça. 30 jours. Et le dernier jour de mon jeûne, ma femme était partie au marché. Et j'ai prié jusqu'à 17 heures. Et ma femme arrive le soir. Non, non, déjà, elle est partie au marché le matin et elle arrive vers 11 heures et j'ai fini de prier et je me lève, j'ai pris un bout de papier que j'ai divisé en trois parties. Et j'ai écrit une partie, le nom du pasteur lui-même, qui s'appelait en hébreu Serge Pacom. Et puis, le groupe qui est parti là, ils avaient un leader. Le leader de ce groupe qui a déchiré l'église pour partir s'appelait Ma Patrice. Et j'écris le nom de Ma Patrice sur un bout de papier, le nom d'Anegbre Serge Pacom sur un autre bout de papier. Le troisième bout de papier, je n'ai rien écrit là-dessus. Et je froisse les trois papiers et je les pose sur la table. Je commence à prier. Et dis, Seigneur, ma femme est partie au marché. Quand elle viendra, je lui demanderai de choisir par tirage au sort. Le bout de papier qu'elle prendra, qu'elle me remettra, sera la direction que tu m'auras indiquée. Ah!
Ah bon? C'est comme ça que j'ai fait ma prière. Et je finis, ma femme arrive, je dis, moi je l'appelle maman depuis toujours, depuis qu'on s'est rencontrés. J'ai dit, tu es ma mère, donc je l'appelle maman jusqu'à ce jour. Il dit, maman, il y a 3 bouts de papier pliés là, il faut prendre un pour m'envoyer. Elle dit, lequel? Il dit, non, prends n'importe lequel, mais ne prends pas deux. Ne prends pas les 3, prends-moi un seulement. Que c'est une sorte de tirage au sort. Et elle soulève un papier, elle vient me donner. J'ouvre là, je vois ma Patrice. Ma Patrice, c'est le groupe de ceux qui étaient sortis. Alors je comprends que le Seigneur veut que j'aille. Avec le groupe qui était sorti. Oui. Voilà. Le papier où je n'avais rien écrit là, c'était pour dire que si c'était ce papier-là, ça veut dire que je resterais seul. J'allais rester seul jusqu'à ce que Voilà, ok. peut-être Voilà, quelqu'un vienne vers moi voilà. ou que moi-même je commence quelque chose. Oh, Seigneur. C'était pour ça. Voilà. Et c'est comme ça que je vais, le dimanche qui a suivi, je suis allé là-bas. Quelque chose va se passer ce jour-là. Depuis toute ma En conversion. tout cas, cher monsieur, sans vous interrompre, Oui. donnez-nous la version. Donc, c'est-à-dire, soyez libre, expliquez-nous, parce qu'il y a des bien-aimés qui ont besoin d'écouter Oui. ça de vous. Oui. Ça, c'est une vidéo historique, c'est une interview historique. Oui. Ça va rester et c'est une bénédiction, même pour les enfants qui viennent. Amen. Ça, c'est l'histoire. Hein. Amen. C'est bénissant pour nous. Amen. Donc, évolez, mon cher ancien. Je crois que, sentez-vous à l'aise, donnez-nous le meilleur de vous-même. Amen. Waouh! Entre-temps, le Waouh! dimanche qui va suivre maintenant, je prends ma décision d'aller maintenant dans le groupe vers lequel je crois que le Seigneur m'a Conduit. dirigé. Voilà. Et j'arrive là-bas. Les frères qui étaient sortis de l'église, ça faisait déjà un mois que eux, ils avaient commencé une nouvelle œuvre. Voilà. Vous voyez déjà, Voilà. ça faisait déjà un mois OK. qu'ils avaient commencé une nouvelle œuvre. Et Parce que vous j'arrive, avez plus 30 jours de prière et jeûne. oui. Voilà. Et donc, j'arrive là-bas le dimanche. Et je rentre dans la salle, je me mets carrément au fond, derrière. Et là, en tout cas, il faut dire qu'au début de ma conversion, je priais beaucoup, beaucoup. Et ce matin-là, j'avais d'abord prié beaucoup avant de venir là. Et j'arrive là, je suis au fond de la salle. Et il se trouve qu'une sœur qui était dans leur groupe était tombée malade. Depuis qu'on était dans l'ancienne église. Ah bon? Oui. Elle était désossée. Elle était vraiment. Il n'y avait que la peau sur les os. Seigneur Jésus. Et à l'époque, nous soupçonnions le VIH-Sida. Et vous savez, nous sommes en 1997. À cette période-là, quelqu'un qui avait le VIH était vraiment Non. repoussé. Repoussé. Et donc, elle était tellement affaiblie qu'elle ne sortait plus de sa maison. Même de son lit, elle ne pouvait plus descendre. On l'appelait Véronique, la sœur Véronique. Elle est restée dans sa chambre depuis quelques semaines déjà qu'elle ne pouvait plus sortir. Elle dormait avec sa sœur et il n'y avait pas assez de moyens pour l'envoyer à l'hôpital. Donc, et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Il se passe que cette dame-là, parce que ce n'était pas une jeune fille, elle avait des enfants déjà, cette dame-là va être amené à l'église le même jour que moi j'arrive dans cette église-là. Et vous allez voir le témoin qui va suivre ça. Moi je suis là, le culte commence, on commence à chanter, Vous êtes au chanter, fond. et puis moi je suis au fond là-bas. Un coup, les gens amènent cette dame-là qui ne peut pas marcher, on la transporte. Et l'église, ce n'était que des bancs, ce n'était pas des chaises, c'était des bancs comme ça, sans En dossier, planche. des bancs, des planches. Et donc, on prend un banc spécial, on l'allonge dessus. Et elle est couchée. Elle entend, elle peut parler, mais elle ne peut pas se lever. Alors, le dirigeant qui parle, qui dit, Oh Seigneur, que intervient pour ne pas que les gens disent que nous sommes sortis. Et que voilà, nous commençons à mourir et que c'est Dieu qui nous aurait frappés. Quand il a dit ça, et il a dit à tout le monde, fermez les yeux, prions pour la sœur Véronique. Moi, j'ai levé mes mains comme ça, et quand j'ai commencé à prier, j'ai senti comme si quelqu'un avait versé un seau d'eau sur moi. En fait, pour moi, c'est dans la réalité, c'est comme si réellement Alléluia. c'était Alléluia. de l'eau versée sur moi. Et quelque chose est rentré en moi, j'ai commencé à trembler, vibrer comme ça. Je vibrais comme ça. Et j'ai prié, ma voix dépassait tout le monde. Ah bon.
au point où tout le monde s'est tu. On écoutait ma voix comme si c'était une prophétie que j'étais en train de lire. Oh, mais c'était une prière que moi, pour moi, dans mon esprit. Et j'avais les yeux fermés. Mm. Et je priais, je marchais. Je ne savais pas que j'ai quitté mon endroit pour aller vers la soeur qui était couchée. Et j'arrive là-bas et je mets mes mains sur la soeur Véronique qui est couchée. J'ai juste mis mes mains et j'ai prié et mes larmes coulaient. Je dis, Seigneur, vraiment, fais-nous grâce que cette femme ne meure pas. Mm. Sinon, on dira que nous avons tort d'être sortis de cette église-là. Mm. Et j'ai fini de prier. Quand j'ai dit Amen, tout le monde a répondu Amen. C'est là que je comprends que tout le monde s'était tué pour écouter ma prière. Voilà. C'est alors quand j'ai fini. Alors, je reviens à moi-même. Je vois que je transpire effectivement depuis la tête jusqu'à dans mes chaussures. Et j'ai dit, sœur Véronique, lève-toi. La sœur se lève, elle appuie comme ça, elle se lève, elle se tient debout. Alléluia. Elle fait comme un enfant qui apprend à marcher. Alléluia. Elle trébuche, les gens veulent l'attraper. Je dis, non, que personne ne l'attrape. Voilà. Laissez-la. Elle fait un aller-retour une fois, un aller-retour deux fois. Elle commence à sauter. Ce jour-là, il n'y a pas eu prédication. On a chanté, dansé, chanté, dansé jusqu'à la fin du culte pour dire merci au Seigneur. Alléluia. Et ce jour, j'arrive à la maison, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, Seigneur, à moi tu as fait ça? Donc c'est aussi réel comme ça? Bref, bon? Bon, on va voir la suite. Mais Alléluia, alluia. Vous avez beaucoup de questions. Non. Je ne vais pas vous bloquer là-dessus. Merci, cher ancien, cher pasteur. Nous vous remercions. Donc nous pouvons déjà voir comment est-ce que le Seigneur commence à vous utiliser dès le bas âge. Merci. Ça nous dit déjà quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu. À vous les jeunes, je voudrais vous rappeler que ces témoignages-là des anciens nous apportent un plus dans notre ministère aussi. Et je crois que vous êtes bénis en écoutant le pasteur Aké Dieudonné. Je vous rappelle ici que c'est le pasteur Aké Dieudonné de l'église Amour, donc le tabernacle Amour fraternel ici à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. Et celui qui a la présentation, c'est bien toujours votre frère, votre ami de tous les temps, Bill Désert. Donc le journaliste à la manière de Saint Paul, qui ne savait pas écrire son nom, mais qui était utile parmi les enfants de Dieu. Je représente ici ceux qui ne sont pas allés loin dans les études. Et lui, il représente ceux qui sont allés loin. Donc c'est équilibré. La croissance est tellement équilibrée et nous sommes bénis. Donc je représente aussi ceux qui sont au village, ceux qui sont partout là. Vous êtes vous tous les bienvenus dans cette histoire-là, cette interview. Alors, mon cher pasteur, pendant que vous évoluez, vous rencontrez le message, vos premières expériences commencent. Quelle était à l'époque là la vision que vous avez alors que vous avez déjà commencé à atteindre c'est-à-dire à voir quelque chose s'élever de vous? Si vous avez bonne mémoire. D'accord. Quelle est la chose, quel est ce désir qui commençait à monter de votre cœur? Merci beaucoup. Je fais un peu de marche arrière pour montrer que la première fois que j'ai rencontré ce prédicateur dehors, là dont j'ai parlé, qui prêchait, très bien. Quand j'ai été tellement épaté, une seule pensée est venue dans ma tête. Seigneur, je veux avoir cette connaissance qu'il a de ta parole. Amen. Ça a été le premier désir que j'avais ressenti ce jour-là. Très bien. Maintenant, là où je suis arrivé sur le témoignage de la sœur, le même jour, on finit le culte. J'ai dit qu'on a dansé, il n'y a pas eu de prédication. On finit le culte. Il se trouve que c'est le même jour que le frère là devait s'asseoir pour organiser leur groupe. Ah et bon? Trouver qui sera prédicateur, ah bon? Qui sera diacre. Ah bon? C'était le même jour que moi je suis arrivé. Oh. Et à la fin du culte, ils disent, bon d'accord, tel frère, bon, on vous convie à une réunion. Et moi aussi on m'appelle. Bon, moi je ne comprenais pas.
Et j'arrive là, je m'assois, on dit non, que bon, on est le sorti. Le pasteur Aké, ça oui. C'est merveilleux. On est sorti de l'église de Pacom, ça fait un mois passé. Donc vraiment, on a pataugé aujourd'hui. Il faut qu'on organise notre équipe. Oui, pour voir, voilà. Il faut qu'on trouve ceux qui sont capables d'enseigner, de prêcher, tout ça. C'est dans ça que mon Patrice, qui était le chef de groupe déjà, lui déjà, il est vu comme prédicateur. Il y avait un autre qu'on appelait Itemon Boniface, qui lui était aussi déjà, lui il évangélisait déjà. Et il y avait un autre qu'on appelait Yao Noël, qui lui il était diacre dans l'ancienne église là-bas, qui est venu avec nous. Et puis moi, qui était un converti de 2 ans, mais qui percutait déjà les pasteurs dans les... On venait me prendre pour aller, non, tel pasteur dénominationnel, il a défié le message. Alors on dit, moi je viens... Vous étiez parmi les brebis phares de l'assemblée. Et je bousillais ce dernier, soit je l'amène à la vérité, ou bien, bon, je le ridiculise et puis on revient. Voilà. Et donc, on m'a choisi aussi. Et ils ont choisi aussi un autre frère qu'on appelait Edmond Goûté. Et puis un autre frère qu'on appelait aussi Wayou Alain à l'époque. Et, donc, et puis j'ai failli oublier mon ami Hamilton, mais ça, c'est nous qui avons été, on était 6 personnes. On était 6 personnes, donc il y avait des dirigeants de cantique et tout ça, tels que Wayou Alain. Et tout ça. C'est comme ça que la chose va partir. Donc, je deviens en même temps un responsable, un des responsables qui... Là. Okay. Et c'est comme ça que ce jour-là, je rentre chez moi et vraiment, je suis vraiment bouleversé. Je dis, mais attends, moi qui suis un nouveau converti, 2 ans seulement, nous sommes en 97 là, 1997. Oh, d'accord. Alors donc, je vais maintenant penser, qu'est-ce que moi je peux faire dans cette histoire? Peut-être venir donner des exhortations à la chair et puis repartir. Et un jour, je suis assis chez moi. C'était autour de 11h du jour. Et ma femme était en train de faire de la cuisine. Et puis, un coup, j'ai commencé à suffoquer. Suffoquer, c'est manquer d'air. J'ai senti comme si l'air commençait à manquer dans la nature pour moi. Je n'arrive pas à respirer. Donc, je suis là, je fais... C'est comme si c'est passé quelque chose. Oui. Et... Alors, je cherche à respirer, je ne trouve pas. Et quelque chose commence à me parler à l'intérieur de moi. Il faut que tu parles de Dieu. Si tu veux respirer, il faut parler de Dieu. Si tu veux respirer, il faut parler de Dieu. Ah bon? Waouh. J'ai dit à ma femme, bon, laisse la cuisine, viens, prends ta Bible, viens t'asseoir. Voilà. Elle a pris sa Bible, j'ai pris ma Bible, j'ouvre ma Bible, je vais prendre un verset pour lui parler. Je me rends compte que c'est insuffisant pour une seule personne. Une seule personne, c'est insuffisant. Nous étions à l'époque à Bobo, dans une cour commune. C'était des chambres-salons, 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 et il y avait 6 portes. Donc, moi, j'occupais une porte. Donc, vous voyez qu'il y a 5 autres portes. Donc, il y avait beaucoup de personnes dans la porte. Alors, je hausse ma voix pour que tout le monde entende. Et là, ça commence à me soulager. Mais j'ai parlé pendant 10-15 minutes. Ce n'est pas suffisant. Et dans mon esprit, c'était comme si ma voix pouvait être à partir de là où j'étais. C'est comme si ma voix pouvait être entendue par le monde entier. C'est comme si c'est l'impression que ça me donnait. Très bien. Et pasteur Bill, si je n'exagère pas, ça ressemblait à une folie. Ah bon? Ça ressemblait à une folie. Je ne me comprenais pas, je ne pouvais plus me contrôler. Et j'ai dit à ma femme, il y a un frère qu'on appelait Zouzoua, il est toujours là. Il est photographe. Il dit, va chez le frère Zouzoua, va lui dire que je vais le voir. Et elle est partie. Elle allait appeler le frère Zouzoua. Le frère Zouzoua est venu. Un autre frère qu'on appelait Jérémie, non, est venu le même. Il est venu aussi croiser Zouzoua chez moi. Je dis, bon, le Seigneur veut que j'aille parler de lui. Je voudrais que vous soyez avec témoin. Voilà, que vous venez m'accompagner simplement, juste pour m'accompagner. Il dit, c'est où? J'ai dit, je ne sais pas.
Oh Seigneur Jésus. On va prier puis on va partir. On a prié. Là, ça brûlait déjà en vous. Oh là 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 là. Comme je vous parle là, c'était pas du jeu. Hein. C'est okay. Ça m'étouffait. Mm-hmm. En fait, moi, je ne sais pas comment il faut expliquer ça, mm-hmm. mais je manquais d'air. Quand je parle même, on sent que... Et puis les gens, les frères ont commencé à se pincer, quoi. Mm-hmm. C'est comme si... Il a pété un plomb quelque part. Mes yeux même seront... Ceux qui ont vu, ça avait changé. Oh, que c'était... Ah, c'est on se lève. Wow. Et puis moi, je suis devant. Mm-hmm. Et puis ils sont là. Mm-hmm. Et ce jour-là, il y avait ma femme, il y avait le frère Zouzoua, il y avait la femme de frère Zouzoua, lui-même. Il y avait une soeur qu'on appelait Suzanne, il y avait le frère Jérémy Pénan, il y avait un autre frère qu'on appelle Prégnon Roland. Lui, ils sont tous là encore. Ils vont entendre cette interview, ils vont se rappeler de ça. Okay. Et nous marchons, j'étais devant, on sort. On arrive à un carrefour, je vois un bon carrefour, je me dis, ici là, je peux parler. Quand j'arrive et je m'arrête, je dis, bon frère, je crois que ici là, je vais prêcher. La voix qui est à l'intérieur de moi me dit, marche, c'est pas ici. J'ai continué de... Donc, on s'était loin de ma maison à près de 600 mètres. Le frère dit, mais ici là, c'est un bon endroit. Il y a beaucoup d'hommes ici. Je m'arrête là, la voix me dit, pas ici. Marche, c'est pas ici. Okay. Et je continue. On arrive au terminus, puisque pour ceux qui connaissent Abobo, j'étais dans le quartier Mpono. Mpono, c'est juste derrière la gendarmerie, le rond-point de la gendarmerie, derrière la gendarmerie, le quartier qui est là. C'est là que j'habitais. Donc, je sors là-bas, on prend la direction de l'avenue Kaza. L'avenue Kaza, on va vers l'avenue Kaza et on arrive... au terminus du bus 08 d'Abobo. Okay. Là, au terminus du bus, il y a beaucoup de monde. Là, on était autour de midi 30, 13 heures. Okay. 97. 1998 maintenant. 18. Nous sommes maintenant en 1998. 18, okay. Alors, je me dis que dans un terminus de bus, ça doit être l'endroit idéal. Je m'arrête, je dis « Gloire à Dieu !» La voix me dit « Non, c'est pas là, continue !» Je traverse le terminus du bus et directement nous sommes dans la cité universitaire d'Abobo. Et là, il y a devant le réfectoire des universitaires, il y a un grand espace bien goudronné là. Oui. C'est bien vaste. Oui. C'est un espace des événements. Et ils appellent cette place-là la place Appelé. Mm-hmm. Parce qu'un étudiant a été tué là-bas. Donc, on a donné le nom de l'étudiant là à cette place. Appelé. Mm-hmm. Et donc, j'arrive là et je m'arrête. Je dis, bon, je crois que c'est ici. Et la chose me dit, parle ici. Je dis, bon frère, on va prier. On s'est attrapé les mains. Mm-hmm. On a fait un cercle. Et il y avait des gens. Oui. Les frères qui m'ont accompagné, il y avait deux sœurs, trois sœurs dedans. Et on s'est attrapé les mains. Sœur Suzanne Pépé, mon épouse elle-même, et la femme de Zouzoua, et frère Zouzoua, et frère Prégnon Roland, le frère Jérémy Pénan. Et voilà cette équipe-là. On s'attrape les mains, on fait un cercle, on commence à prier. Et les frères, ayant honte des gens qui passent, ils prient à voix basse. Moi, je commence à prier et ma voix commence à sortir tellement haut que les frères ont honte. Ils ont commencé à tirer leurs mains chacun. Chacun allait se cacher derrière un arbre. Et j'ai prié jusqu'à j'ai commencé encore à trembler comme ça. Ah bon? Et quand j'ouvre mes yeux, je commence. Je dis, je suis venu pour vous annoncer la bonne nouvelle. Si vous êtes dans l'église catholique, sachez que vous allez tout droit en enfer. C'est comme ça que pour moi, ça a commencé. Pasteur Bill, ce qui est bizarre, que moi-même jusqu'à présent, je m'interroge toujours. Voilà. C'est que je n'avais pas, en ce moment, je n'avais pas encore lu même un quart de la Bible. Un quart de la Bible, je n'avais pas encore lu le quart de la Bible. Mais bizarrement, ce premier jour d'évangélisation publique, je commence à parler, il était 13 heures, quelques minutes, j'ai parlé jusqu'à, je criais, je bombardais toutes les églises. Vous êtes dans le faux. Les musulmans, si vous tapez vos têtes 5 fois par jour, vous allez pousser des cornes comme des boucs et vous irez en enfer. C'est comme ça que je disais des choses comme ça. Et vers 15 heures, ça fait il y a 2 heures de temps que je criais comme ça.
Et les gens passaient, d'autres s'arrêtent pour écouter. D'autres passent et puis ils me regardent bizarrement. Un monsieur, bien vêtu en veste, costaud, avec une mallette, qui descend de son bus et qui doit traverser là pour aller chez lui. Il arrive là et puis il entend un jeune homme comme moi qui était là en train de dire que le pape même qui est à Rome là-bas, c'est un renard. C'est un renard, il vous trompe, il vous envoie en enfer. Ah bon? Lui, il s'arrête et dit, mais attends, on a trop laissé des imbéciles comme ça? Tu te prends pour qui? Qui es-tu? Tu peux te comparer au pape? Tu peux te comparer au pape? Je vais te montrer. On ne t'a pas bien éduqué. Je vais te montrer l'éducation. Il a déposé sa mallette, il a enlevé sa veste, il a enlevé sa montre, il a plié ses manches. Oh, il est venu m'attraper par l'école. Il va me boxer. Il me secouait comme ça. Et moi, je ne faisais que me défendre. Pourtant, j'étais un jeune homme, je pouvais me battre. Seigneur. J'ai dit, j'ai pas affaire à vous. Et mais il me Abidjan, les gens aiment beaucoup les bagarres, regarder les bagarres. Et donc, ça a tiré un monde de fous. C'est Dieu qui faisait tout ça. Je ne savais pas que c'était Dieu. Ah bon. Et les étudiants sont descendus de leur logement. Tout de suite, là, il y a eu plus de 300 personnes, 400 personnes autour. Mon Dieu. Et invasion. Les étudiants, il y a un étudiant qui est arrivé. Bon, arrêtez, monsieur. Modérateur. Les étudiants, ils ont trouvé un modérateur tout de suite là. Ils nous ont séparés, ils ont mis le monsieur d'un côté, ils m'ont mis d'un côté. Bon, modérateur, bon, monsieur, toi, tu es le modérateur. Demande la nouvelle. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez frapper le jeune homme? Dis non, mais un imbécile comme ça, j'étais de passage, j'apprends, il est en train de dire que le pape qui est à Rome est un renard. Que c'est un renard, que c'est lui qui est le diable. Il est qui pour lui comme ça. Il est qui pour il peut se comparer au pape. Les jeunes, les étudiants disent, ah bon, donc tu as dit ça. Ici là, c'est chez les étudiants. Est-ce que tu connais notre adresse, non? On va te brûler vivant si c'est vrai. Tu vas voir. Il dit, mais vous allez me condamner sans m'écouter. Ah! Vous allez me condamner sans m'écouter? Non, vous allez. Alors donc, ils ont dit, bon, d'accord. On vous donne le temps. Parlez. Il dit, je dois parler parce que je parlais de la Bible. Et ce que je disais de la Bible, là, je vais lire ça dans la Bible, si vous permettez. Ils ont dit, non, il n'y a pas de problème, on a le temps. Ah bon? Oh, c'était l'erreur. Voilà, de t'accorder la parole. Et j'ai commencé, comme j'ai vu au moins 3 ou 4 étudiants qui avaient porté des tricots sur lesquels c'était écrit GEC. La GEC. GEC en Côte d'Ivoire, c'est la jeunesse étudiantine catholique. Ah. Donc j'ai compris que ceux qui disaient ils vont me brûler là, ce sont des catholiques. Alors, comme Dieu ne fait rien, je vois un autre jeune étudiant qui porte un tricot, c'est écrit FECI. FECI, c'est la Fédération des Églises Évangéliques de Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, quelque chose me dit, mais tiens, mets-la en confrontation. Voilà. Comme Paul a fait entre les pharisiens et les sadducéens. Je dis, bon, d'accord, que vous allez me permettre, parce que je parlais de la Bible, que vous savez, moi je suis protestant, je ne suis pas un catholique. Voilà. Que vous voyez que c'est pour ça que que Luther a protesté contre l'Église catholique romaine. Que je vais vous montrer des passages bibliques où même Jésus a traité César de renard. Renard. Que voilà, c'est dans la Bible aussi. Que voilà pourquoi je dis que le pape n'est pas sauvé. La raison, c'est que le pape dit qu'on ne doit pas être marié quand on veut être prêtre. Mais la Bible dit ici dans... Voilà. Dans 1 Timothée 3, voilà. Que pour être prêtre, il faut être d'abord marié. Et j'ai commencé. Ah, les gens disent, les catholiques ont dit non, on n'est pas. Les autres ont dit non, du calme. Il faut l'écouter. On doit l'écouter. Et pendant qu'il l'écoutait, au bout de 30 minutes, le monsieur qui a provoqué la bagarre, il a glissé. On n'a pas su à quel moment il est parti. Et la foule est restée avec moi. Ça, c'est l'histoire avec Nocé Aké. Lors de sa conversion, comment il rentre dans le ministère. Waouh, formidable. Ça, c'est un héros. Alléluia. La foule est restée avec moi jusqu'à 17h. Seigneur. Waouh. C'est devenu
Question, réponse, question, réponse. Réponse, voilà. Comme je disais tout à l'heure, quelque chose m'a marqué ce jour-là. Comme je disais que je n'avais pas encore lu même le quart de la Bible. Oh, Mais c'est bon. bizarrement, quand les gens me posaient des questions, la même voix là me parlait, me dit, prends, soit Matthieu 2, verset 4. Oh, Quand c'est je bon. prends, Et c'est c'est pas exact. moi qui avais la Bible en C'est main. Dieu, c'est le mouvement du Il y avait Saint-Esprit un en frère toi. qui avait la Bible. Moi, je Alléluia. dis, Alléluia. frère qui prie, Alléluia. prends, Prends. je dis, frère Joie, prends Matthieu 2, verset 4. Quand il prend Voilà. Matthieu 2, verset 4, Voilà. ça répond exactement Exactement à à la question. la question. Moi-même, je suis surpris. Waouh. Moi-même, je suis surpris. Surpris. C'est comme ça que vers Oh, 17h30, Jésus. la pression a commencé à descendre. Descendre. Les gens ont commencé à clamer. Bla, bla, bla. Non, tu as eu la chance, sinon on allait te brûler ici, hein? Mais tu dis les bonnes choses. Ah, ah, il faut revenir demain. Revenir demain. Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé. Et puis, Est-ce que je pourrais encore faire quand mieux je faire? partais, Voilà. d'autres m'ont accompagné. Non, ce que tu disais, c'est vrai. Moi, je suis assemblée de Dieu. L'autre dit, moi, je suis œuvre mission. Voilà. Moi, je suis Voilà. temps Voilà. baptiste. Voilà. Donc, ils ont commencé. Ils m'ont accompagné jusqu'à un certain endroit et puis je suis rentré chez moi. Pour moi, je suis libéré. Parce que le lendemain, à la même heure, la même sensation d'étouffement est revenue. Là, je comprends. Terrible. Là, on Terrible. comprend que c'était... C'est encore plus fort que ça. Et je sors maintenant, j'ai plus eu besoin d'appeler les frères, quoi, quoi. Je suis parti moi-même Oh, Dieu. sur le même endroit. J'ai commencé. Les gens sont venus. Les gens sont venus Voilà. m'entourer encore. J'ai commencé par parler C'est bon. jusqu'à 17 heures. La pression a commencé à descendre. Et je m'arrête, j'ai prié avec les gens, je suis parti. Les gens m'ont suivi, d'autres demandent Des références des bibliques et références tout, bibliques. ton adresse et Oh, tout j'ai dit, ça pour mais déjà te les connaître, gens commencent être à... voilà. Je suis parti. La nuit, j'ai dit à ma femme, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Il faut prier pour moi. Je ne sais pas si je deviens fou. Qu'est-ce que... Donc, comment, à cette allure-là, on va manger quoi? J'ai plus le temps le lendemain à la même heure. Pasteur, 7 jours, jour pour jour, chaque jour, depuis que ça a commencé, tous les jours à la même heure, je suis obligé d'aller là-bas. Après les 7 jours, c'était devenu une routine. La Voilà. pression ne venait plus, mais Voilà. moi-même, il Tu fallait que j'aille. partais très bien. Et depuis ce jour, c'est là-bas que j'ai baptisé mes premiers convertis à moi. Quand je dis mes premiers Félicitations. convertis, je parle de mon ministère. Amen. Mais on les convertit pour le Seigneur. Oui, amen, amen. Non, nous sommes Et complètement. le premier baptême que Oh j'ai Jésus. fait, je crois, ils étaient au nombre de 14, si j'ai bonne mémoire. Oh Jésus. 14 personnes. 97. Oui, 1998, Là maintenant, 98. on est en On 18. est en 98 maintenant. 1998. Ok. Et je les ai pris de cet endroit pour aller les baptiser pour, je parle maintenant aux Ivoiriens, à Akékoua. C'est à Akékoua qu'il y avait, il y a un cours d'eau là-bas. Ok. C'est le seul cours d'eau dans tout Abobo où les gens vont baptiser les gens. Ok. Et je suis parti les baptiser là-bas. À quelle heure? À minuit. Ah bon? On a, j'ai prêché, les gens ont posé des questions jusqu'à 18h, 20h, 21h. J'ai fait appel, les gens ont cru, ils disent qu'eux, ils veulent se faire baptiser la nuit La là. nuit là. Nous avons marché à pied de Ah, la c'est cité magnifique. universitaire d'Abobo jusqu'à Akékoua. C'est presque 1,5 km. Presque 2 km. Non, c'est 2 km. On a fait le baptême, on a marché pour vers 1 h du matin. Et parmi les premiers baptisés là, jusqu'aujourd'hui, il y a un qui est resté, qui Ah est bon? devenu juge, Ah bon? qui est toujours à l'église ici. Oh! Il est toujours à l'église ici. Il s'appelle le procureur Kwasi Boris. Félicitations. Il est toujours resté avec moi Mon jusqu'à ce jour. procureur, coup de chapeau. Félicitations. Ça, Bon, c'est il y a merveilleux. beaucoup à dire, Vous êtes aussi mais... le trophée de ce ministère. Vraiment encouragement. Avant. Donc c'est comme ça, on m'a connu dans cette ville d'Abidjan comme un évangéliste d'abord. Et je suis arrivé, et depuis 1990, depuis ce jour-là, je vous assure, jour pour jour, j'ai prêché pendant presque 4 ans. Tous les jours, je suis au plateau. Maintenant, après d'Abobo, je me suis déplacé au plateau. C'est le centre
des affaires de Côte d'Ivoire. OK. Et c'était dans les cités administratives là, sous l'arbre là, que je prêchais tous les jours. Les fonctionnaires descendaient à midi, venaient s'asseoir là. Maintenant, à un moment donné, quand la nouvelle est partie dans toutes les communes, les gens quittaient leur commune, venir là, avec des cahiers, pour écrire tout ce que j'ai fait. J'ai eu des débats avec des pasteurs là-bas, tels que le pasteur Blaise Femba, qui est le président de l'église de Jésus-Christ, et qui se vantait d'avoir 10 000 membres en 1998. En Côte d'Ivoire, déjà, il avait 10 000 membres. Moi, j'étais au début. Et il est venu faire débat avec moi. Il est venu avec des blancs, avec des caméras. J'ai dit, bon, avant de commencer le débat, promettez-moi que vous allez me donner une bande de ce que vous allez filmer. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Parce qu'il était sûr Ah bon. qu'il allait me ridiculiser. Voilà. Et on commence le débat sur le salut. Est-ce que le salut se perd ou ici il est éternel? Et il soutenait que le salut se perd. Que si vous êtes chrétien, vous avez le salut. Si vous avez péché, vous perdez le salut. Or, moi, avec déjà le message, Vraiment. vous comprenez un peu. Très bien. Alors, donc, j'ai soutenu que le salut ne se perd pas. Et à la fin, ils étaient ridiculisés. Les blancs même ont dit, non, non, arrête le débat, arrête, arrête. Il arrête le débat, tout honteux. J'ai dit, ben, et les bandits disent, oh, fous-moi le camp, il fallait venir avec tes propres caméras. Je n'avais rien, moi. Et on a eu des débats comme ça, beaucoup d'autres pasteurs sont venus faire des débats, mais ce qui était extraordinaire, je suis resté invincible par la grâce de Dieu. Alléluia. Et jusqu'au point où maintenant c'est les musulmans qui venaient me défier, j'ai eu trois débats. Un premier débat avec un imam, et à la fin il a été vaincu, il a avoué publiquement. Que moi, je sais que tu m'as battu, mais dans notre domaine, je ne suis pas le plus fort. Que si tu acceptes, j'envoie un imam qui est plus puissant dans la connaissance du Coran que moi. Que moi. Il dit, il n'y a pas de problème. Il a fait venir nous, on a fait publicité, les gens sont venus, près de 800 personnes dans le plateau là, hein, là où je prêchais. Ils sont venus, les musulmans sont venus nombreux, les chrétiens aussi sont venus. On a fait le débat, il a aussi été vaincu. Il a reconnu et il me dit que. Si je suis d'accord, il va m'envoyer un autre supérieur. Et à l'époque, je le dis pour les Ivoiriens, ceux qui comprennent, qui connaissent bien, il y avait un musulman qu'on appelait Meïté Sendou. Meïté Sendou, qui, lui, sa stratégie, c'est qu'il lit la Bible et puis il prend des points qu'il appelle les contradictions. Et il ridiculise les pasteurs. Et il a vraiment fatigué Les beaucoup gens. de pasteurs. Oh, C'est moi qui ai calmé Meïté Sindou au plateau ici. Ah bon. Et c'est à cause d'eux que j'ai acheté le Coran. Ah bon. Ah Oui, pour faire les débats avec eux, j'étais obligé bon. d'acheter le Coran Voilà. parce que l'imam vient avec son Coran. Et quand je veux lire, je dis, bon, moi aussi j'ai des citations, des versets coraniques que je vais prendre pour vous faire taire. Voilà. Que c'est dans votre propre Coran. Votre propre Ben, livre, votre donne-moi, je vais propre. lire. Il dit non, non, que moi, Voilà. je suis un inconverti, je ne peux pas toucher son Coran. Bon, il faut le lire pour les gens. Il dit non, il ne lit pas. Oh. Bon, j'étais obligé moi-même d'aller, j'ai envoyé quelqu'un aller acheter le Coran depuis ce jour. Ce Coran-là, je l'ai acheté depuis 98. Et ça m'a Il est aidé là à juste faire beaucoup de des débats. recherches pour connaître. Et j'ai gardé ça jusqu'à ce jour. Voilà. Donc c'est ainsi que l'Église a commencé à Bobo en 1998. Et c'est d'à Bobo qu'on a évolué. Et à un moment donné, comme vous avez, la question était, voilà qui m'a baptisé. J'ai déjà dit que l'évangéliste, voilà, Anegbe Serge Pacôme, est celui qui m'avait baptisé déjà en 96. Mais je vais reprendre ce baptême plus tard. Parce qu'à un moment donné, je me rends compte que lui, quand il prêchait, il disait que comme le salut ne se perd pas, alors donc un chrétien, même si tu couches avec la femme d'un homme, hein, mais en baptisant quelqu'un, hein, il dit, ben, ok, tu as cru au Seigneur Jésus? Tu dis oui. Il dit, mais et si, par exemple, en sortant de l'eau de ton baptême, tu allais coucher avec la femme de quelqu'un? Et qu'on te saisissait, qu'on te tuait sur le champ avant que tu n'aies le temps de te confesser.
où tu vas? Tu vas en enfer ou au paradis? Si tu dis que tu vas en enfer, c'est que tu n'as pas cru, il ne te baptise pas. C'est sur cette déclaration qu'il baptisait les gens. Alors, moi, quand plus tard, j'ai constaté que beaucoup des gens qui avaient été baptisés par lui ont commencé à tomber dans le sexe. Alors, tout c'est. Bon, je ne veux pas salir le nom des gens, puisqu'on est en direct ici. Exactement. Mais beaucoup de ceux vraiment avec qui on a été, ils sont tombés dans cette chose-là. Et chacun disait, non, il ne faut pas le frère qui va entendre ça, il ne faut pas qu'il va entendre ça. J'ai peur qu'il puisse Parce réagir. qu'on me connaissait pour ça, je vais réagir. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tout le monde tombe dans ça? Et maintenant, j'ai comme l'impression que c'est moi qui reste. Donc, je suis la dernière personne. Alors, j'ai commencé à réfléchir, est-ce que ce n'est pas la déclaration que ce monsieur faisait en nous baptisant là qui poursuit les gens? Et j'ai décidé de changer, de reprendre mon baptême par quelqu'un d'autre. C'est ainsi que je suis tombé sur le pasteur Essopierre, Yao Essopierre, qui est un des anciens dans le message ici en Côte d'Ivoire. Je suis allé le voir et il est venu prêcher d'abord dans mon église à Bobo, quand on était dans une salle de classe. Il est venu prêcher là-bas. Ah Et bon. puis après, il nous a invités, ma petite église avait chez lui là-bas, pour aller faire une veillée de prière. Et au cours de la veillée de prière, le matin, il devait avoir des baptêmes. Et moi, je me suis engagé. Je lui ai dit, non, je veux reprendre mon baptême. Et il a repris mon baptême. Là, nous Ça n'a pas étions. dérangé les fidèles qui étaient avec Non, vous. non, non, non. Même beaucoup de mes fidèles ont été aussi rebaptisés avec moi. Ah, mais ça Et puis c'est les autres, une histoire c'est moi-même, très je suis allé. touchante. Moi-même, je Regardez suis d'où allé. les anciens sortent avec la chose. Oui. Des bonnes choses. Ça, c'est rare d'entendre des choses comme ça. Donc, le pasteur Ah bon. Essopierre m'a rebaptisé en 2000. En 2000 seulement, en 2000. Et les autres fidèles, moi-même, je suis retourné pour aller les rebaptiser aussi. Voilà. Mais quelques fidèles étaient avec moi le même jour et ont été baptisés aussi avec moi. Donc, voilà un peu comment je vais maintenant changer la trajectoire complètement pour évoluer. Avec le J'ai message. marché, j'ai fréquenté beaucoup le pasteur en question, le pasteur Yao Essopierre, depuis 2000 jusqu'en 2003. Et j'étais très régulier, je partais faire même les cultes du. Parce que lui faisait les cultes du soir, les jeudis, les mardis et les jeudis. Tandis que chez moi, c'était les mercredis et les vendredis. Donc je pouvais. Donc tous Traverser. les mardis, je partais faire les cultes du soir chez lui, Le mercredi chez vous. les mercredis chez moi, les jeudis, je partais encore chez lui, et les vendredis, je restais chez moi. C'est comme ça qu'on a fait. Et à la fin, vers les années 2003, vers 2003, il y a eu un problème de doctrine. Parce que lui, l'ancien, jusqu'à ce jour, lui, il a trouvé que le septième sceau n'est pas ouvert et que les sept tonnerres ne sont pas révélés. Et moi, je suis tombé sur les sept tonnerres et la révélation du septième sceau, j'ai cru. Et donc, ça fait que je ne pouvais plus avancer avec lui parce que lui, il était très intransigeant envers ceux qui disent que les sept tonnerres sont révélés. Vraiment, il était un peu trop rigide envers eux. Donc, du coup, je me suis retranché. Et ça m'a permis, dans ce retranchement, de bosser dur pour arriver au point que vous voyez. Ah bon, Mais au moins, vous avez gardé vos relations On avec a gardé les relations jusqu'à l'ancien parce aujourd'hui. Non, il n'y que a pas de il m'a problème. même parlé de vous. Nous étions ensemble, bien, Merci. bien, bien, on était ensemble. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis Amen. très content et très flatté d'ailleurs Amen. de tout ça. Bon, ancien. Maintenant, on va essayer un peu d'échanger d'air. D'accord. Je crois que ça va faire du bien. Nous allons donc vous proposer un petit clip qui va jouer donc un chant. Et puis, nous allons revenir avec le pasteur. Shalom.